Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, où nous célébrons la miséricorde divine, Saint Jean nous rapporte une apparition de Jésus le soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche de Pâques. Les apôtres se sont enfermés, ils se cachent car ils ont peur de subir le même sort que leur maître. Cette peur, frères et sœurs, nous la connaissons nous aussi, quand nous voulons affirmer notre foi. Nous pouvons nous heurter aux moqueries ou à l'indifférence et même à des persécutions. Mais voilà que Jésus rejoint ses apôtres dans leur enfermement et il continue de nous rejoindre dans les nôtres. Il nous dit « La paix soit avec vous ». Après tout ce qu'ils ont vécu, il veut les apaiser. Cette paix, chers frères et sœurs, c'est la joie retrouvée, c'est le pardon et la réconciliation. Au moment de les envoyer en mission, il veut les libérer de cette angoisse qui les obsède. Le même Christ, frères et sœurs, nous rejoint aujourd'hui pour nous donner la paix, pour nous donner sa paix, pour nous redire qu'il nous fait miséricorde. Même si nous sommes tombés très bas, il ne cherche qu'à nous relever. Là où le péché a abondé, frères et sœurs, l'amour miséricordieux de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé. Le Christ nous rejoint au cœur de nos vies, de nos joies et de nos épreuves. C'est auprès de lui que nous trouvons la vraie joie. Comme Thomas, nous pouvons alors dire, au milieu de nos enfermements, de nos épreuves et de nos difficultés, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Chers frères et sœurs, à ceux qui l'avaient trahi, abandonné et renié, Jésus ne fait aucun reproche. Au contraire, il offre la paix. Cette rencontre avec le Christ ressuscité a complètement bouleversé la vie des apôtres. C'est pour eux une seconde chance pour recommencer autrement, pour être meilleurs, pour vivre une nouvelle histoire avec le Christ, mais cette fois-ci ressuscité. C'est donc pour les disciples cette rencontre au matin de Pâques, une véritable résurrection. Avec le Christ présent au milieu d'eux, plus rien n'est comme avant. Nous l'avons entendu, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants
avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. En effet, frères et sœurs, quand on a fait l'expérience de l'amour et de la miséricorde de Dieu, on en devient soi-même l'instrument pour ses frères et pour ses sœurs. C'est vrai aussi pour chacun de nous. Les belles paroles ne suffisent pas. Nous sommes tous invités à partager dans notre communauté ce que nous sommes et ce que nous avons. L'exemple des premiers chrétiens peut nous aider à être plus vrais, à être plus fraternels, à être plus humains. Pour nous, frères et sœurs, ce sinistre qui a frappé notre communauté est donc l'occasion de faire briller l'amour et la miséricorde de Dieu en nous, au milieu de nous et autour de nous. Témoigner du ressuscité, c'est être porteur de son amour. Alors, mon frère, ma sœur, ta paroisse a besoin de toi. Ta communauté a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Il faut que cela se voie dans notre communauté chrétienne qui aujourd'hui a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Avec l'évangile de ce dimanche, frères et sœurs, nous découvrons un Dieu qui ne juge pas, un Dieu qui ne condamne pas et n'entretient pas la culpabilité. Il est amour et miséricorde. Rappelons-nous, quelques jours plus tôt, Judas l'avait trahi, Pierre l'avait renié, tous l'avaient abandonné. Et maintenant, il se cache, il s'enferme. Or, voilà que Jésus ressuscité les rejoint. Il aurait pu leur faire des reproches, mais c'est plutôt la paix qu'il leur apporte. Cette paix, frères et sœurs, c'est l'occasion de recommencer une nouvelle vie. Cette paix, c'est la joie d'être aimé, dans et malgré nos fragilités. Avec Jésus ressuscité, frères et sœurs, le mal et le péché n'ont pas le dernier mot. C'est la miséricorde qui triomphe. C'est l'amour qui triomphe. Voilà une bonne nouvelle pour nous. Quand nous nous détournons du Seigneur, il est toujours là. Il ne cesse pas de nous rejoindre pour nous apporter sa paix. Notre Dieu nous aime, frères et sœurs, et ce profondément et tel que nous sommes. Il nous accueille et nous rejoint tel que nous sommes. Frères et sœurs, en célébrant la miséricorde divine aujourd'hui, et en ayant à cœur notre toiture déchirée et emportée par la tempête, que le Seigneur ressuscité rejoigne notre communauté au milieu et dans nos milieux de vie et nous aide à mettre en pratique sa parole. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais.